Le jeu a commencé. Des maths, bienvenue dans une nouvelle partie de Go sur OGS. Donc on est 3Q contre un adversaire, deuxième Q. Euh, donc il y a 6,5 de commis en sa faveur. Et on a encore une fois 20 minutes et 5 fois 30 secondes chacun. Donc je commence par Oshi, j'ai noir du coup. Euh, la dernière fois contre un 3Q, c'était un peu compliqué la partie. Donc là on va voir ce que ça donne. On avait On a été mené un peu tout le long et il avait fait... Pas mal de bêtises qui nous a permis de remporter euh, un peu comme une partie perdue, on va dire. Donc là, cette fois-ci, on va essayer de jouer un peu plus propre. Déjà, le début de partie serait bien. Faire quelque chose, des choses qu'on sait faire, simple. On va essayer de jouer des joseki Jose de base, s'il nous laisse le faire, bien sûr. Donc, Oshi, Komoku et lui, Oshi. Suspense. Alors qu'est-ce qu'il va faire Oh ok. Euh, ici on a plusieurs choix. Hein. On peut approcher de ce côté, prendre directement notre chimari, notre, notre fermeture de coin, ou prendre un des coins directement. Hmm. Je vais essayer de jouer les coins. Comme ça. apprendre prendre un Sansan. Voir quelle direction il prend. Il prend de ce côté, ok, il veut investir sur ce bord, euh, sur ce bord ouest. Ou peut-être pas. Parce que ce Joseki, normalement, s'il le connaît bien, quand on fait année à la tête de Pierre ici, c'est seulement pour faire le double année. Et avec ça, il va récupérer ces deux pierres-là. Mais moi, il va me donner un qui de ce côté. Ce qui serait assez mauvais. Donc ça me fait penser que euh, il va continuer en F3, il, il ne connaît, euh, connaît pas bien les Joseki modernes. Ça me fait penser à ça, parce que s'il fait ça, il me donne un Podouki en direction de ma pierre. Je suis assez content. Euh, pour ceux qui n'ont pas le terme Podouki, c'est à la forme de capture d'une pierre, là, les quatre pierres comme ça. Euh, mais après avoir capturé une pierre, bien sûr. Si on le fait nous-mêmes, c'est pas un Podouki. Et en plus, il aura ses deux pierres, mais du coup, ce sera très difficile de développer de ce côté, parce qu'on aura de la J avec ces deux pierres. On pourra descendre une fois, puis approcher par là, et du coup il aura le coin, mais seulement le coin. Donc c'est un peu particulier de répondre comme ça, parce que ce bord là il va pas trop le développer du coup, alors que c'est en direction de sa pierre, et en plus il va nous donner un ponuki en direction de notre pierre. C'est bizarre. Donc je pense qu'ici il va faire F3. Et moi je continue. Il continue. Et je pousse encore une fois. Il continue. Et je un Senookie. C'est ça en fait le problème et nous qui lui euh, il s'attendait peut-être à l'ancien Joseki. qui, ou oui, il va en f3, je vais en f2, il continue. Et à la place de continuer une fois, moi-même euh, j'allais en b4 où il protégeait en b5. Je protège bien sûr ma pierre de b4 en jouant en b3. Et lui il faisait la gueule de tigre. Mais en fait, ce Joseki est trop fort pour blanc, il a une, une influence un peu parfaite. Donc pour parer à ça, maintenant on pousse une fois de plus. Si voilà, c'est ça, tac 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 tac, je vais laisse voir en. Euh, avec les SGF en description. Mais ouais, du coup maintenant on pousse une fois là, parce qu'il ne voudrait pas qu'on fasse année et double année ici. Hein. Très dramatique pour lui. Donc il continue en Dobby. Et nous on est vivant dans le coin. Donc on peut dire nous qui. Et avoir le santé en début de partie, bah c'est très puissant. Il a tous ses œufs ici, donc euh, tous ses œufs dans le même panier. Donc soit je prends un coin ici, soit... Euh, ce qui peut être intéressant, parce que quand il approche là... Si je fais ce joseki-là, j'ai que le coin, mais il n'y a rien à développer au sud. Après, en même temps, il n'y a rien à développer au sud de base, donc pourquoi pas. Euh... Donc soit si je prends le coin là pour essayer qu'il soit un peu plus gros. En même temps, en quatrième ligne, c'est pour développer l'influence. Ici, il n'y a pas grand-chose à développer, je trouve. Soit je vais en O17, par exemple. Je... je me développe à partir de mes bases. Je dis, regarde, j'aurais peut-être trois coins. Ou alors, j'approche je... dans son moyo, par exemple, par ici. Qui menace quoi euh, à la suite de ce bah, qui est un peu raté pour blanc, hein. ça peut se jouer quand on a déjà une pierre par ici. Bah, justement si je joue en D8, qui joue ailleurs par exemple euh, en C13, je pourrais faire un haut GEMA, un grand GEMA, en allant en E5. S'il connecte, ben, il est déjà très déformé, en fait il aurait juste une baguette, c'est assez douloureux. Donc soit j'ai cette strat ce qui est un peu plus agressive, Soit j'ai allé vers là, il prendra peut-être son extension un jour, mais euh, voilà, encore une fois il joue tout du même côté. Et c'est ce qui m'empêchera pas d'aller en D8 plus tard. Donc euh, voilà. C'est vraiment des stratégies différentes, tout simplement, je pense. Mmh. En vérité, je pense que je vais prendre le mon verrou de coin ici. Parce que maintenant, il reste deux Oshi. Donc il y a des fortes chances que je finisse potentiellement avec trois coins. Ce qui est quand même très agréable. Pour Ça comme je vais potentiellement finir avec 3, 3 coins, je me dis ouais, rajouter une pierre en 4ème ligne pour penser un peu euh, à la balance des territoires comme ça. Donc là, il joue ici, oui, c'est pour parer à moi mes invasions en B5 où il jouerait là et je vais ailleurs. Mais pff, je sais pas si l'échange est si bon. Je pense que l'échange est mauvais pour blanc parce que ça lui retire son B3. En fait, un jour, si j'attaquais vers D8, comme on disait, euh, pour résister. Il avait son B3, où je résiste, et ensuite il fait la gueule de tigre là, qui est la forme du scorpion avec ses deux pierres en B5. Et en fait, ça menace à la fois d'attaquer la pierre D8 et en même temps de jouer A2 qui attaque mon groupe. Mais là il se le retire lui-même, en fait, à sa belle forme. Donc c'est un peu dommage, même s'il lui reste le IEC, hein, mais c'est pas parfait. Euh, maintenant il joue de ce côté, donc il prétend faire une grosse boîte ici en fait. Et il dit, euh, est-ce que tu veux venir maintenant Ou est-ce que tu attends encore Il nous reste pas mal de points d'invasion. Hein. On peut tout simplement approcher en C14, sur lequel il aurait peut-être envie de faire D14 ou de pincer en D10 par exemple. On peut aller au un jour ou l'autre. On peut aller vers les D10, vers les D8 comme on disait. On a pas mal de choix. Donc soit on prend un de ces choix, soit on joue au 17, qui peut être très haut. Parce que lui-même, si, si, si on va par là un jour et qu'il va en O-17, ça développe aussi son bord, de, son bord nord facilement. On peut faire la stratégie 3 coins, lui c'est que du potentiel. Donc ça va. C'est pas gênant. Je pense qu'on fait ça. Hein. Moi j'aime bien le cash, donc euh, on y va. Et comme on dit, on n'a pas mal de points de réduction. Ici, s'il rajoute C-14, il nous restera quand même des coups d'approche par là, il nous reste quand même le D-8. S'il protège par là, il reste quand même les points d'invasion comme ça, ou le San On aura toujours des choix en fait, donc ça va. Et il prend ce Yossé. Alors là, je réponds une fois comme ça, mais ensuite j'ai un doute. Alors c'est très gros hein, de protéger, bien sûr, hein. c'est quand même quelques points de territoire. Mais euh... s'il coupe, je fais contre-attaque ici. Hein. Euh, il capture la pierre et je descends en C1. Alors, en faisant ça, s'il descend ici ensuite, je peux aller là et je suis vivant. Ou alors s'il vient là, ça y est, on sera vivant quand même. Euh, mais on se fait enfermer. Donc c'est donner l'enfermement, mais pour choper le santé. Est-ce que c'est intéressant Est-ce que c'est intéressant Parce que l'enfermement il est synthé. Hein. Si tac, tac, il capture, je descends, il descend là. Si je joue ailleurs, là il peut jouer en G1. Si je défends. Euh, il va là et c'est fermé en 3. Donc je suis... Il n'y aurait plus que ça, ouais. Et du coup je suis mort. Donc le, la descente est scintée. Donc peut-être que je dois rajouter un coup tout simplement ici. Il n'aimerait pas me donner le année. ce hein. euh, serait fort par rapport à ça. Et comme ça... Euh, je pourrais, si là il continue ici, je peux Tenuki. Et jouer en face de son mur. Pour euh, qu'il soit un peu moins fort. Voilà, il rajoute. Et maintenant je peux aller là. Parce que la différence maintenant, c'est s'il va en B2. Je vais là, capture, je descends. Euh, et s'il descend ici, je peux jouer ailleurs encore. Parce que s'il fait l'année, je vais là. Et maintenant j'ai 1, 2, 3, 4. Et euh, du coup, même s'il vient ici. Euh, J'ai encore 7 libertés, 7 libertés. Donc ça ne met pas taré sur ces pierres. Donc euh, je peux jouer en E1 et j'aurai un œil ici et un deuxième là. Encore une fois, je vous laisse vérifier en SGF si vous le voulez. Si, pour ceux qui n'arriveraient pas forcément à lire tout ça. Euh, donc ce qui me permet, même si c'est douloureux l'enfermement, ça me permet quand même de rajouter un coup par là. Parce que ramper sur la première ligne bof, rajouter ici, ben, il prend son extension en D10. C'est assez chiant parce que ça sera plus difficile d'envahir ici, sachant qu'il a compagnon enfermé. Donc, ouais, on va aller par là. Par là ou un peu plus loin. Si je vais ici, il pince là, parce qu'on dit hein, pousser vers la force. Mais ça laissera le Sentai plus tard. Allez, on vient par là. On vient par là. Ça, le truc, c'est s'il lit mal et qu'il enclenche la séquence dont on parle, euh, et qu'il va en J2, qui n'est pas SNT comme j'ai dit, ça me donnerait le SNT pour ailleurs. Donc là il faut pas qu'il fasse des erreurs de lecture. Bien sûr, il peut prendre ça gratos. Euh, B2. Euh, je vais en C2, etc. Mais en fait, il peut garder ça aussi pour des menaces de co par exemple. Ça peut être tout aussi intéressant. Parce que quand il va en B2, si je ne réponds pas quand il y a un co et que c'est un, un gros truc, bah après direct il va en D2. Il capture tout ça. Et ça, c'est juste une baguette s'il n'est pas vivante. Il faudrait ramper euh, pas mal de fois. Encore trois fois pour être vivant, sûr. Donc il vient là, oui, j'avais dit, dit c'est 11 ou C10, mais oui. En général, ces 4 points là, ça va. Dans ce cas, on vient déformer, j'imagine. Si je viens là, il faut juste que je regarde parce que ce genre de coup-là, euh, j'ai tendance à couper. Je l'ai fait en tournoi récemment. Euh, mais c'était pas cette séquence-là, hein, mais euh, ces menaces. En fait, on veut couper, mais on veut pas vraiment couper. Là, je voyais ça dans la dernière vidéo de euh, la FFG avec... Euh, du cas le sixième dan qui disait que euh, on joue ça mais c'est pour menacer de couper sans vouloir vraiment couper et euh, au dernier tournoi je me suis fait commenter par euh, Rémi, troisième dan aussi et Florent je sais plus mais euh, justement j'avais fait ça l'adversaire avait sauté comme ça mais c'était sur une autre situation hein, mais ça ressemble et euh, j'avais coupé mais du coup l'adversaire monte et finalement c'est moi qui me retrouve attaqué donc là, je me, je me trompe dans l'idée du coup. Je, je l'applique parce que je l'ai vu ailleurs, mais je me trompe dans l'idée. C'est alourdir l'adversaire et après jouer ailleurs, tout simplement. Donc on va le jouer déjà une fois. Et si un jour il y revient parce qu'il se sent obligé, ben on a gagné un angle vide. Mais il faut faire attention à ne pas se faire attaquer nous-mêmes. Il faut jouer léger. Pour ça, ici, j'hésitais à jouer euh, E10 d'abord. Mais en soi, s'il si joue par là, là, je peux quand même jouer E10. Et l'idée, c'est de sortir tranquillement et un jour, peut-être choper le Sansan. En soi, on peut toujours venir en C14 ou F17, toujours. Moi, je profite de ce petit moment de pause. Si vous appréciez les explications et la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça aide au référencement et tout ça. Et à, pour ceux qui ne seraient pas abonnés, qui sont arrivés jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner pour être. Bienvenue des prochaines vidéos avec la petite cloche, tout ça. Merci beaucoup. En tout cas, sur OGS, ouais, bon, ça dépend des moments, hein, mais c'est rare d'avoir un adversaire qui prend un peu plus son temps, parce que sur les dernières parties, euh, sur Twitch, on voyait euh, qu'il jouait très vite. Et le pire, c'est que je, des fois, je me laisse entrer dans le rythme. Mais il y en a qui me disaient euh, qu'ils savaient pas pourquoi c'était devenu comme ça OGS récemment. Enfin, plus ou moins récemment. Mais j'ai l'impression que la, la plupart des serveurs, c'est devenu ça. Hein, c'est Ça joue très vite. Du coup ça fait bizarre qu'on retourne en tournoi et qu'on a la partie qui dure 2h30, 3h. Ah, pas... Je pense que c'est un peu soumis pour blanc de connecter direct. Donc là oui, rajoute un coup par ici. Je pense que c'est classique. Après maintenant il s'est un peu retiré ses libertés ici. C'est vrai que si tac, je coupe, il monte, euh, je vais là, protège. Oh, je crois qu'on d'abord d'abord, ouais. mais là il y a des coupes un peu chiantes. Ok, donc là on a abîmé, on est content. Le job de cette pierre est fait. On doit pas penser euh, maintenant, je dois absolument sauver euh, les deux pierres. Non, on veut jouer léger. Donc maintenant, moi je verrai bien juste un saut. Euh, je regarde un peu les kémas, genre jouer vraiment léger. Parce que si je le touche, en fait je vais renforcer et ça va être beaucoup, être beaucoup plus dur maintenant de venir euh, envahir. Donc j'ai pas trop envie. Euh, soit je rajoute une pierre légère vraiment comme ça, soit je vais envahir là-bas en mode C'est de pierre on verra, le job est un peu fait, on a alourdi euh, blanc Je sais pas Le kema ici il vient couper, on vient là, il coupe C'est un peu dangereux, on pourrait attaquer ces pierres mais en vrai ces pierres sont très dures à menacer vraiment Parce que ici il trouvera bien un oeil rapidement Et même une baguette, un dragon comme ça, en fait on ne le tue pas comme ça euh, Donc ce kema c'est un peu risqué parce que ça me créera un groupe instable. Donc, si je fais quelque chose ici, ce serait vraiment le Toby, je pense. Ou ce qu'est là, à la rigueur. Mais il gagne ce Kema qui menace d'aller englober derrière. Donc, non, Toby, c'est bien, je pense. Ou alors Tenuki. Si je prends le coin, il va faire à euh, Quel côté il ferme il ferme ce côté, je vais là. Il vient en E16. Je vais en F18. Et après, il vient par exemple par là. C'est un peu risqué, c'est un peu joueur. Parce que je prends un quatrième coin potentiellement, mais euh, lui, il menace de prendre tout ça et j'ai un groupe instable. J'ai déjà trois coins. J'ai pas vraiment besoin de ça, de, de jouer risqué. Peut-être qu'elle l'IA, elle sera en mode, mais c'est tranquille, elle va prendre tes points. Mais bon, on va rajouter un coup ici il va sauter j'imagine ou tenter une attaque agressive en faisant un boshi par exemple boshi, le chapeau donc jouer en tobi vers le centre en relation de notre pierre là, ici qu'est-ce qu'il va faire Ouais, je pense vraiment le Toby pour construire ou euh, le Boshi pour attaquer. Après le Toby il attaque aussi un petit peu, hein. mais euh, je pense que ce serait peut-être un peu lent de faire un de ces coups-là, même s'il aurait peut-être envie, hein, mais euh, c'est peut-être un peu lent. Ou alors euh, il va par là quoi. Mais je sais pas si c'est hors propos ou pas. Devenir, euh, parce que là, celui-là, euh, il reste encore un co. Celui-là, c'est en 4,5, donc on peut peut-être encore glisser. Donc, depuis tout à l'heure, je parle de coin, mais voilà, j'ai deux pierres, mais c'est pas encore sûr à 100%. Je suis avantagé, mais c'est pas encore mes coins à proprement parler. Comme lui, c'est pas son coin. Ça dépend de la stratégie. Vraiment, de ces trois trucs, je pense. Ou alors, bah ouais, lancer un coup tout de suite pour menacer des trucs ici Je sais pas. Mais lui non plus, il a pas l'air de trop savoir pour le moment. De quoi il prend son temps qui fait une vidéo aussi. N'hésitez pas à me dire... Hein, euh, parce que je j'ai aucune théorie sur ce truc-là, vraiment, hein, c'est au feeling un peu que je fais ça. N'hésitez pas à me dire si c'est une mauvaise idée en soi de faire ce genre de séquence pour gagner un Sente. Je sais que dans le Go Modern, on m'a dit que le Sente était encore plus important au, au, au Fuseki, maintenant. Donc, sur cette base, je me dis, ça peut être pas trop mal. Mais peut-être que, voilà, pour faire finalement 4 points, est-ce que ça vaut le coup Après, peut-être que j'en ferai plus. Hein, si c'est moi qui ai le timing de faire ça, bon, j'en fais 8. Quoi. À voir. Ce que je me dis, c'est quand il capture cette pierre, bon, ça fait pas vraiment de. Lui, ça il fait pas un œil supplémentaire et tout. Ok, c'est intéressant. Donc il fait un Niken Toby, un plus grand Toby. Euh, c'est marrant parce que ça fait un peu euh, Mimi. Ça fait un peu, euh, je sais pas lequel de jouer. Donc euh, je vais vraiment attaquer de manière large et tout. Après il peut, non c'est pas très solide les Niken Tobi. Hein. mais il peut peut-être se permettre de pas être si solide parce que euh... parce que moi non plus je suis pas solide. Donc essayer de développer plus rapidement ça. C'est vrai que si j'étais Nuki, il peut faire le Kema comme ça. Alors que s'il avait le Toby tout simplement, et que j'étais Nuki, euh, il peut faire ce kéma là, mais je peux encore sortir avec peut-être ce kéma là. Donc c'est un peu chiant. Là, c'est un peu plus clair. Et encore. S'il fait ça, je vais là, il vient ici, je vais là. Je peux pas bloquer sinon Atari, et je vais là, tac, je connecte. C'est compliqué en fait. Est-ce que je dois sortir encore j'imagine En fait, j'ai pas trop envie de toucher parce que sinon ça joue son jeu. Si je touche, en fait, il va se construire, ce sera plus un Nickentoby, hein. il se fait juste se construire tranquillement. Normalement, j'aurais juste deux pierres avec deux libertés. Ça fait pas encore un œil. Je vais là, il va là. Oui, j'ai peut-être un œil. Euh, il y a encore. Et lui, ça lui fait un mur, en fait. Donc, c'est beaucoup plus dur de développer, de, de envahir, quoi. On va juste sauter. Hein. Je pense qu'on craint pas grand chose. Par contre, il développe euh, une belle boîte ici. Un quart de goben. Bon, bon, je sais pas ce qui se passe s'il fait un coup comme C15 par exemple. Ce qui me fait dire qu'à la place du Toby ici. En F8, peut-être que j'aurais dû aller en C14 par exemple. Ok, là il protège. Oui, c'est vrai... Pff, je sais pas. En fait, si je monte, ça lui, lui fait rien de spécial. En soi, oui, il va avoir un œil ici, une belle forme, et peut-être un oeil là en capturant ça. C'est peut-être un peu lent, parce que ça me menace pas de couper mon groupe. Je trouve ça un peu dommage. Parce que ici, je peux couvrir, par exemple. S'il force, je vais là. Il force, Atari, tac. Protège ici. Ici, coupe, Atari. Il va là, Atari. On vient ici. Ouais, ça abîmerait beaucoup ce groupe en fait s'il si fait ça. Donc on peut peut-être couvrir comme ça. Ça lui va lui donner ça ici peut-être. Mais on recourt. Ça peut être intéressant pour cette direction-là. Et il nous reste toujours les points d'invasion. Je pense vraiment que pour lui, un Toby ici, ça ne veut pas être mauvais. continue à développer son truc. Là, ça, ça semble un peu timide. Je m'en fiche de cette pierre en fait. Mais ouais, s'il me coupe comme une brute, bon, on va voir. On va voir, on va voir. Je pense que c'est le premier truc que tu lis, hein, la coupe. Celle-ci ne marche pas en kema comme ça parce que j'ai le chichot. Donc tac tac, il coupe chichot. Mais là, blanc, noir, blanc. Euh non, blanc, pardon. Parce que si blanc ici, ça semble dur. Hein. Bon, déjà, on va là. Mais s'il si, si va là, ça semble bizarre. Ah. Euh, franchement, je sais pas. Je suis pas convaincu parce que je peux descendre comme ça. Et s'il s'en va, Atari, tac, et on vient ici, on fait une double tick comme ça, et lui il peut bloquer, ouais mais on va là, il va là, on coupe, et il coupe partout, et on détruit un peu son truc, je suis vraiment pas très fan. On va reculer comme ça, ça menace le chichou. Donc là il y a l'escalier ici, mais sa forme est pas optimale hein, du tout. Il fait ça, et là ça donne envie de faire ça non Tac j'ai une super ferme avec ça. Non il vient là, forcément. On vient ici. On est quasiment vivant. Il vient là hein, pour couvrir. Mais on coupe ici, il y aura un autre point de coupe là. Cette pierre-là est presque condamnée. Après oui, il aura le année ici, mais on saute. Comme ça ou comme ça, je sais pas. Il faudra voir. Est-ce que je devais faire ce année d'abord Non, je sais pas. Tu à dire. On envie de perdre le timing de ce côté, ça a l'air quand même intéressant. Là, là il protège, hein, sinon la coupe elle servait à rien. En fait, parce que s'il me laisse euh, capturer cette pierre, s'il recule là par exemple et que je capture, euh, c'est dramatique pour lui. Ça a l'air compliqué pour lui, mais souvent on dit hein, quand, quand on commence une idée quand même, euh, autant l'aboutir. Donc là, l'idée c'était euh, clairement, je coupe mon adversaire en deux, s'il me laisse me connecter, ben. Bah, en fait il a juste ça à... il faut s'occuper de ça, finalement noir il respire compagnon. et je pourrais aller au Sansan. Il n'aurait pas vraiment de points pour le moment. Bon je peux toujours sauver cette pierre. Bon pour l'instant c'est pas si important mais. Ouais. Blanc, noir. Je suis même pas sûr si blanc recule là. Je suis même pas sûr de capturer direct. Peut-être que je joue là d'abord. Parce que s'il protège, il y a des chichots sur ça. Et s'il protège par là, euh, je peux d'abord abîmer cette forme. Et après capturer ça. Parce que s'il va là, que je capture, qui recule là, j'ai l'impression que bon ces pierres-là s'en sortent trop facilement. Alors qu'on a quelque chose à développer de ce côté. Ça ferait un mur blanc, euh, je pourrais rien en faire ici. Même si après je peux prendre le sansan, hein, c'est pas rien non plus, c'est vrai. On va voir on va voir ce qu'il va jouer d'ailleurs je me demandais est ce que pendant ces moments où c'est un peu plus euh, calme comme ça vous voulez je crois que j'avais déjà demandé il y a un moment mais euh, j'ai un peu oublié euh, est ce que vous voulez que je, que je fasse des cuts un petit peu et qu'on passe au moment où l'adversaire va jouer qui est un peu soit un peu plus rythmé ou euh, ça vous gêne pas, qui est euh, mon temps de réflexion et le temps de réflexion de l'adversaire, comme ça. Hop. Bon, là, j'ai une très belle fin. N'hésitez pas à dire ça en commentaire, quoi. Tac. Je suis assez content de ça. Et je coupe. Tac. Je risque rien ici, s'il vient là. Il ici. C'est pas joli. Il vient là, on va là, mais il a s'occuper de ces deux pierres, de ces deux-là, de ce trois-là. Ouais. Je coupe tous les jours. Il fait Atari, on vient là connect on vient là c'est même idée c'est la même idée en fait là comment est-ce qu'on peut voir notamment euh, que la situation est favorable à noir c'est un peu comme à l'Atarigo quand vous apprenez au début c'est il euh, euh, ya quand même 9 chances sur 10 que quand on vous a expliqué que le but du jeu euh, bon, au début on vous dit euh, capturer les pierres tout ça et après on vous met la situation d'atari go ou c'est en croisé et euh, très souvent bah, du coup le débutant il va faire Atari puis probablement atterri sur la deuxième pierre. Et là, moi, j'aime bien faire pause à ce moment-là, parce que je dis, euh, ben bah, là, tu m'as attaqué tout le long. Mais si on euh, première question, euh, combien j'ai de groupes Donc là, s'il compte bien, il me dit, bah, tu en as deux. Et combien tu en as Ah, j'en ai quatre. Et je lui fais, bah c'est toi qui m'attaques depuis le début. On était à égalité. C'est toi qui m'attaques. Et pourtant, c'est toi qui te retrouves avec deux fois plus de choses à surveiller maintenant. Donc ouais, les, le nombre de groupes est euh, d'ailleurs attaqué euh, férocement, euh, frénétiquement. Euh, c'est pas forcément bon. Bah là, du coup, on pourrait regarder tout simplement, comme à l'atarigo, combien t'as as de groupes noirs bon, 1, 2, 3, combien on a à blanc 1, 2, 3, 4. Après, oui, c'est favorable pour, euh, pour noir. Petit raisonnement comme ça, en revenant aux base. ça peut être bien aussi. Ah là, il y a clairement cette coupe hein, qui me fait de l'œil. Mais en même temps, s'il la protège maintenant d'une manière ou d'une autre, euh, tac, tac, c'est S'il protège cette pierre ici par exemple, Atari, blanc, noir. Blanc doit protéger ces pierres. Hein. Peut-être qu'il prend comme ça, je sais pas. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a un chichou ici Noir. Regardez par rapport à cette pierre. Je crois que ça passe juste. C'est bon pour nous. Après, peut-être qu'il peut résister un peu plus en faisant un angle vide ici, mais euh, ça a l'air bien compliqué quand même. Ça a l'air compliqué pour, euh, pour Blanc. Ok, donc il décide, je connecte. Par contre, euh, en connectant, en protégeant cette euh, faiblesse, bon là, il le fait, hein, c'est bien, mais euh, il le fait de manière très lourde. On voit son W là, il a un angle vide. C'est une forme vraiment très lourde. Peut-être un saut comme ça ou une gueule de tigre, je sais pas. Il y avait de meilleures manières de protéger ça. Maintenant, je vais prendre ça. Je prends mon gain. Et je suis très content. On s'est installé ici. À la base, cette pierre elle nous pincait. Et ces deux pierres là sont abîmées, mais pas capturées. Euh, ici, je pourrais capturer, mais il peut mettre Atari derrière. C'est un peu embêtant. Souvent on dit quand tu peux capturer, capture, mais là, je vais aller là, ça menace d'aller ici, donc il va peut-être descendre, nous on est senté sur cette pierre, s'il vient là on peut aller là, s'il vient là on peut capturer, il peut descendre peut-être, on a ça, ouais, c'est quand même embêtant pour lui. Et là il nous donne le timing de ce coup, il peut pas couper, sinon on fait atterrir, chichou, donc ça c'est cool d'avoir ça, et il nous restera potentiellement ce coup là. Ou alors je vais directement par là. Mais. Euh, S'il si met la pression sur ces deux pierres, ça va donner un. J'ai l'impression un bon moment à, à Blanc sur ce centre. Donc peut-être euh, jouer un peu sur ça. Quelle serait la suite Noir Blanc Noir double année Dans ce là Blanc peut faire Atari comme ça, puis Atari comme ça, tac. Ça a l'air d'être ok pour euh, Noir. Hein. On va faire ça. Puis... Sauf si euh, il fait Toby. Ce qui n'est pas impossible non plus. Ok, il fait ça. Moi, je pense aussi à, à ça, bon, c'est très difficile à attaquer. Il hein. euh, y a un œil, euh, quasiment un deuxième s'il joue là. Donc normalement c'est... Mais il faudra qu'il fasse attention, on ne sait jamais. Euh, ouais, on va faire ça. Tout blâner à la tête de deux pierres. C'est assez douloureux pour lui. En vrai, ces deux pierres, ouais, si, je, je comprends qu'il a envie de les aider, hein, parce que c'est quand même des pierres de coupe. Donc elles sont importantes. Mais là, on voit que c'est une zone plutôt noire. Atari. Ce qu'il y a, c'est que s'il recule comme ça, bah, je prends comme ça. Et encore une fois, c'est chichou Ouais. Et là, ça devient vraiment, vraiment, vraiment douloureux pour Blanc, parce que si je viens là, il doit protéger d'une manière ou d'une autre sa coupe, hein, sinon on capture. Si je viens là, euh, et même s'il vient ici pour faire une belle forme, on peut faire année, on ne peut pas faire euh, le... année lui-même, sinon il y a double atari. Voir cet atari tout simplement, plan, en fait, non, c'est mieux, parce que ça capture sur ces deux pierres. S'il protège, on capture tout. Donc tac, il est obligé de faire Noby. Je me demande s'il n'y a pas un petit coup par là. Aussi. Noir, blanc vient ici, noir à taille. Si blanc répond, on prend ces deux pierres. Mais, tac, 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 noir. Si blanc réagit comme ça, on vient ici. Et il peut revenir comme ça. Ça met atterri sur cette pierre. On ici. Capture là. Nous on revient mettre à terre ici. Euh, là. Mais il peut pas compléter, sinon on capture. Donc il capture cette pierre et nous on peut capturer ces deux-là. Je crois. <laughs> du coup on va peut-être d'abord alourdir ça. Ouais, on va faire ça d'abord. Si je me trompe pas, ici il y a un coup sympa. J'espère pas me tromper. Ouh, ouais ça c'est douloureux. Euh, encore le W comme là. Ça c'est au ouais, niveau forme, c'est vraiment douloureux pour Blanc. Il a des angles vides un peu partout. Et on vient par ici. Et je me rends compte que je ne lui ai pas dit bonne partie. Mince. Bon, maintenant c'est un peu tard. Bon lui non plus hein, mais bon. Zut. Il y a quelqu'un qui regarde notre partie. Est-ce que c'est l'un de vous Cochon français. <laughs> est pas qui... euh, et là on peut faire ça. Ah mais il peut aller de ce côté aussi, j'ai pas calculé. Bon, on va faire ça quand même. S'il vient ici, on peut aller là. Mais je sais pas si ça va aller vraiment le coup du coup. J'avais pas calculé ce coup-là, je... c'est ma faute. Bon. Euh... Ah non oui là je fais l'idiot effectivement. Non là j'ai fait l'idiot. Ouais c'est nul de ma part parce que ça va être gouter. Moi j'ai rien calculé en fait. Il y a Snapback ici. Grosse erreur de ma part là, attention. Attention. Parce que je peux pas aller là, bien sûr. Euh, si je viens ici. Bon, il peut pas faire le snapback. Hein. S'il si recule. Bon, est ici, Non. Il est obligé de capturer. Mais s'il est dit, je peux toujours pas mettre Atari. Euh... Lui, il peut capturer, donc je suis obligé de revenir là. Ah, c'est compliqué. Ah mais il peut encore venir là en fait. Non, non, non je dis n'importe quoi. Mais oui, ici j'ai fait euh, j'ai été trop gourmand. Voilà. J'ai été trop gourmand. On... J'avais peut-être que ça. La gourmandise. Parce qu'on lui donne le santé, il peut tourner là. Ouais, ça c'est une grosse erreur de ma part. Il tourne ici et voilà, on lui donne quand même ça et on n'a plus de cible. Hmm. Ça me servait à rien ça. Là il tourne ici. Ah. Belle erreur. Hein. Ça peut changer beaucoup de choses. Est-ce qu'on est toujours safe ici Surtout que ces pierres là maintenant sont moins impactantes. Ah oui c'est bête. Hein. C'est vraiment très bête. Ah c'est bête, hein. franchement. La gourmandise. Euh, on va protéger par là, je pense. Bioyomi. Ah, Bioyomi, ok. Il me reste plus que 5x30. Ouais, c'est dommage, hein, franchement. Il me faisait l'œil le G5, mais il marchait pas, j'ai pas tout lu. J'aurais dû tout lire. Euh, on vient ici, c'est quand même assez gros. Et finalement, dans la partie, ouais. C'est chaud. Peut-être que je devais envahir en, en haut à gauche puisqu'il a quand même un quart de goban ici. Ah je viens de relancer la partie pour lui. <laughs> c'est dommage. Et il vient par là. Euh, je sais pas si c'est le plus important par là. Je pense vraiment qu'il pouvait jouer un coup par là, c'est très gros. Est-ce que c'est dangereux pour moi par ici Tac tac. Tac tac. Je ici, je vais là. Bon, c'est pas trop grave. 9, 8, je pense que je vais aller prendre le coin. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il reste 4 périodes. Hmm. Je vais sauter par là. C'est encore ouvert, en fait, de ce côté. Et c'est ouvert à l'intérieur. Donc c'est intéressant de passer par là. Je pense vraiment qu'à la place de ce coup, euh, maintenant il est safe ici. Il pouvait aller par là, par exemple, bah ce coup-là en fait, ou euh, le hanais, hein. Tu fais une belle gueule de tigre et il attaque euh, sévèrement une pierre. Ça menace de faire Atari tac Atari tac Atari et capturer tout. Donc c'était un bon coup. Ça commence à fermer son truc. Là maintenant il peut le faire, hein, mais je fais d'abord Atari s'il protège. Je pense que je sacrifie volontiers ces deux-là ces deux parce que. Pas très important, donc je joue une gueule de signe par là ou un autre Toby ou quelque chose. J'essaie de jouer léger pour pas qu'il fasse trop ici. Ça peut être le plan. Et comme ça, ça peut peut-être me donner une, une invasion en F17, parce que je me dis que le San ça a l'air compliqué. Ça n'a pas l'air idéal. que je fasse attention aussi au point d'invasion ici r7 des trucs genre mais je trouvais que c'était un peu lent de répondre genre q 7 si, si qu'est ce que j'ai comme solution soit aller au-dessus bien sûr il vient là je viens là euh, il peut glisser au-dessous c'est un peu chiant euh, s'il si vient là je peux aller là s'il si monte on va au-dessous hein, on connecte tranquillement s'il si descend on connecte au-dessus en gueule de tigre. Et il peut aller par là, on bloque là, il peut aller par l'attaque. Est-ce qu'il a assez? Il faudrait qu'il fasse 6. 6, ça passe pour lui s'il si est sainté. 7, s'il est sûr d'être vivant. On est sur la deuxième ligne. Si je me trompe pas. Et il n'est pas encore un bio lui. Pas fini on a encore un beau potentiel sur ce bord droit on est déjà 40 minutes alors pour moi c'est une partie intéressante en son temps aussi c'est chouette en fait, il y a eu plusieurs erreurs petites ou moyennes de sa part. Je trouve qu'il y a une grosse erreur de ma part parce que je perds ces trois pierres sur l'échange. Donc c'est un peu dommage. Du coup, il faudrait... Ouais. C'est dur de compter, je trouve. Là. Estimer à peu près. Parce que c'est ça, c'est... Encore une fois, il peut passer peut-être un peu au-dessous. Là, il y a le co. C'est très dur d'estimer, je trouve. L'IA, elle donnera un score parfait de et euh, en avance de tel... Je pense que je suis encore bien parce que c'est du potentiel pour lui comme pour moi, mais moi j'ai plusieurs zones de potentiel. Lui il a une seule zone et encore c'est vraiment lâcher-rentre quoi. Et en point pur, il a ouais il a ça quoi. Après, il a le commis. Il a le commis. Je sais pas trop pourquoi ça fait ça des fois sur. Ah il est AFK depuis 10 secondes. Ou alors ça lance au bout d'un moment si tu joues pas, je sais pas. Ce serait bête de gagner par euh, AFK là. Mmh. protège par là nous on continue tranquillement par ici je pense on réduit ce qu'il y a là voilà s'il fait ça c'est plutôt tolérable on va dire pour nous euh, et si en plus on avait pas une suite par là des trucs là si protège par ici ouais là maintenant il faisait demander j'aurais fait ça à sa place tu vois 10, 9, Ah oui, 8, rapidement plus. 7, 6, 5, 4. on 10, 10, va c'ouvrir Si ok Va 10, Si, ok, il 10, pas. Il aurait dû là, attention à ses formes. 10, ce à ses formes. pas ce qu'il choses par pas Noir, peut-être un là? Noir, préparation être Noir, blanc, noir, blanc, noir, Noir, blanc, Noir. Ici, blanc vient là. On vient ici. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. J'ai l'impression qu'il y a des petites choses. Mais j'ai vraiment lu rapidement. Euh. Noir. Blanc. Noir. Blanc. Noir. Ouais, il a peur. Noir, blanc, noir, blanc. Noir. S'il fait atterrir comme ça, il y a snapback. Je peux continuer. Mais je crois qu'il y avait des trucs aussi dans l'autre sens avec mon cours en préparation B12. En fait, ces formes sont questionnables. Oh là, ça commence à devenir chiant pour lui. Euh, Est-ce que je peux faire ça Est-ce que c'est pas le coup de trousse Noir, blanc. Noir. Alors coupe. Je viens ici. Capture. Je suis là. Euh, il vient ici. 10. On 9, coupe là. 8, 7, ah 6, non, mais on est déjà là, je suis bête. 5, 4, 3, 2, 1. On va aller là d'abord. Ce coup de préparation a l'air pas mal. Ce que je veux, c'est réduire son nord-ouest en fait. S'il si prend ces deux pierres, c'est pas trop grave si on réduit tout ça. Et là, maintenant, je vais là. Blanc, noir. Blanc. Noir. On capture. Noir Atari. Blanc vient là. Euh, on est ici. On monte. On protège comme ça, je sais pas. 10, 9, Ensuite, on coupe 8, ici. 7. 6, 5, 4, 3, Ah, c'est dur à dire. C'est dur à dire. Vraiment. Après, ces pierres-là, elles pourront toujours, toujours servir hein. euh, pour des points d'invasion. Beaucoup plus facile. Mais c'est dur euh, de lire très rapidement. Ouh, euh. What? Ah, en même temps, ça donne un qui sur l'extérieur, mais euh. Je sais pas, hein, franchement. 10, 9, ah, je 8, sais pas. 7... Je pense que je connais comme ça. Hein. Et maintenant, je suis rentré. C'est dur pour lui, quand même. Maintenant, s'il peut plus m'empêcher de sortir. Ouais, c'est gros, hein, c'est gros. Je suis d'accord. Et on va envahir maintenant. Faut qu'il fasse attention à tout ça, en fait. Faut Il faut qu'il prenne en compte tout ça. Mais ouais. Peut-être que certains vont dire euh, que c'est euh, beaucoup trop gros de laisser ce podoki. Hein. Mais bon. Hmm. mais en fait il a plus de points ici. Quoi. Si il est si ici, pousse ici, je vais là. Bon, Peut-être que je peux pousser là même. Non, autant faire ça. Ah, je sais pas. Ouais, ça, ça a l'air quand même pas mal santé. Hein. Tac. Parce qu'il va pas se laisser recouvrir. Donc il vient ici, je viens là. Mais là, encore une fois, il va continuer d'une manière ou d'une autre parce qu'il n'a pas envie que je fasse ici. 10. 9. 8. Ouais, ça a l'air pas mal. Ça a l'air plus gros. Ok, continue comme ça. Du coup, je suis tranquille ici. Et... Bah, on est content, non on sort, on sort par là. S'il si vient ici, on vient là. S'il si vient ici. Ouais. On se casse. Et en plus, ce coup-là peut permettre de développer un peu ici. Franchement, on est content. Euh, blanc maintenant oui il peut capturer cette pierre c'est un moindre mal Il a, il a eu le ponoki ici mais c'est limité Parce qu'on avait déjà des pierres dans le coin Je trouve que c'est ok Je sais pas Et il tourne Noir Blanc Noir Ou ici Non, non, il vient là, 8, je viens là, je aller 7, là, je fais ça, il fait un coup. 6, je sais pas. 5, 4, 3, 2. Bon, On va aller par là. Parce que si je peux encore glisser, peut-être faire des petits trucs. Euh, si je fais ça, ça va lui donner la force. Là, il est déjà fort au son et je peux rien faire de spécial. Donc. Voilà, on va quand même faire le contre si blanche, ou là, que je vais là. Je protège. Je viens ici. Il va là, je vais là, ouais je suis vivant avec cette fin. Tac, 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 tac. pousse. Ouais je suis vivant. 10, ouais. 9, 8, 7, Donc 6, je peux 8, un coup ici, c'est quand même, euh, cool. 4, quand même 3, plutôt cool quand même plutôt Deux, un. Il Il reste trois périodes. Euh, qu ce qu'on ce qu'on fait? ce pas ferme pas ici ce qui peut être intéressant. Où est-ce qu'on ferme par là Peut-être par ici. S'il pousse comme ça, et qu'il prend 7 pierres, voire ses 3 pierres, mais que je ferme ici, je pense que je suis content. Après là où je suis pas certain, c'est les deux kémas comme ça. peut être le plus solide du monde. Ouais voilà. Tac Si maintenant il monte, c'est que j'ai un là. Je peux pousser ici. Et je peux pas me bloquer. Ouais, c'était peut-être peut un le gourmand, ça. Euh, tac Blanc. Noir. Blanc. 10, blanc. 9, noir, blanc noir. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 9 Blanc. Il en reste 2 ouais, ouais, périodes. Là, je perds tout. Ouais, je pense qu'on peut faire ça, mais... Euh... Euh, ouais, c'était on aurait dû, je sais pas, c'était pas le meilleur coup. Peut-être ici, je sais pas. Il monte, c'est pas beau. Bon pas beau mais bon à peu près quoi en plus ici il faut qu'il fasse attention aussi à ses formes euh, lui il peut se faire couper un jour ou l'autre d'une manière un peu dégueulasse peut-être donc attention à tout ça il me renforce vachement là non euh, si je monte bien sûr il y a ça mais avec ça il y a ça surtout hop attention maintenant ouais ah je sais pas Est-ce qu'on joue la gourmandise, encore une fois Mais là, la gourmandise est peut-être un peu plus justifiée, parce que c'est quoi la suite pour lui Tu fais ça, il vient là, on protège. Ensuite, il doit vivre par là. Mais euh, ici, euh, c'est quand même 9, vachement 8, faible. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... J'ai l'impression qu'il y a des trucs, quand même. Surtout que là, c'est vachement faible, et en plus, si je sépare, euh, un jour l'autre, il faudra qu'il compte quand même les libertés ici. Donc c'est un peu gourmand de sa part aussi, je pense. Il peut-être meilleur, de meilleures séquences pour lui. Parce que ici, en fait, oui, bon, il va peut-être vivre, mais ça va juste faire un groupe faible. Et ça, c'est pas solide. Hein. Bon, là, on va protéger ça. <laughs> il va complètement de l'autre côté, OK. Je pensais pas. Voilà, bon qu'est-ce qu'il y a ici Ne te fais pas piéger, il ne meurs pas ici. Ça serait bien. Si je fais ça. Tac. S'il vient par ici par exemple. 10. On fait ça. 10, 9 8 7 6 5 4 j'ai l'impression que je peux bloquer. Et oui, je dois sûrement rajouter un coup. On va faire un, un, un des 1-2. Souvent, la vie se fait là. Et il protège par ici. Ok. Ok, ok. Mais du coup, je sais pas. Franchement, je sais pas. Pas forcément fan de sa séquence parce que maintenant, je peux. Ah. Soit je recule par là, soit je ferme par là. Peut-être que c'est mieux de reculer par là parce qu'il peut faire atari tac descend je descends comme ça en fait hein, le plus sévère qui fait atari tac 10, ensuite 9, il saute je pousse il va là je 7, pousse 6 5 4 3 2 en fait tu peux faire ça ça protège un peu de ces séquences là parce que quand il fait ça bah, il pourra pas aller trop loin pour faire sa base de vie et en même temps sortir le co qu'il y a dans le coin donc euh, autant ne pas fermer, ça sert à rien déjà, on peut pas fermer très proprement j'ai l'impression. Et en plus de toute façon s'il peut glisser là ou vivre faire là, c'est chiant. Et on a les quatre coins. On a les quatre coins et il a pas parfaitement leur centre, donc euh, ça devrait aller. Il joue par ici, bon, on sacrifie ça tous les jours. Est-ce qu'on répond à ça si je viens par ici, je vais là. Attends, je sais Pierre, je m'en fiche, je vais là. Euh, non, je m'en fiche pas. Je, je réponds. 10, 9. Ensuite, tu peux pas me couper. Attari, attari. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernière période. Oula. Euh, bon. Qu'est-ce qu'on peut faire Ah j'ai envie d'aller par là, là où il y a des points en fait. Là ou là en fait, mais j'ai l'impression qu'ici il y a plus d'espace pour faire des ponts. J'aurais pu protéger ici aussi, ouais non, c'est peut-être un peu léger. Là, par là, d'accord. Et la coupe ne marche pas. Même si tu fais atterrir avant. On peut faire cet atari d'abord. faire satari d'abord si capture je capture là oh, peut-être qu'il fallait protéger en même temps il pouvait faire chier déformer et peut-être jouer avec cette pierre là on vient ici mais oui il peut faire chier en montant comme ça après je peux peut-être résister avec m10 parce que s'il coupe tout de suite euh, il a trois libertés, je coupe ici. Alors là par contre, noir, blanc, noir. Dix, neuf. Pas petit truc ici. Si blanc vient là, je viens là. Il ne peut pas capturer. Sinon, je reviens là. Il va là et je capture tout. Mais, blanc. Oula Qu'est-ce que c'est que ça D'accord, oui. Bon, dans son idée, c'est vraiment. Euh, je vais rentrer euh, grâce à la J de cette pierre. Oui. Mais. Maintenant, je peux protéger ça. Par ah, ici. Si tu pousses, je vais là. Si tu coupes, 10, je capture. 9, 8, 7. Et tu peux prendre cette pierre hein. En CMT, C'est vrai. Mais si j'allais là, oui, il pouvait jouer par là. Est-ce que c'était grave Ouais, c'est chiant, c'est chiant. Moi, il me reste toujours ce coup-là ou des trucs, genre ça. Ça va. C'est ok. Hmm. D'abord pousser une fois là. Parce que oui, si je poussais ici d'abord que je connectais, maintenant il y avait tac, tac, il allait là. Et ensuite il y a un petit chichot. Mais maintenant, non. Alors revenir comme ça, parce que si on revient comme ça et qu'on a envie de faire ça, on va venir là, on connecte et on couper. Alors que là, avec ça, on prend aller là, s'il vient là, on connecte là. Donc on vient ici. Et il va nous attaquer, hein, mais euh dur à dire s'il peut vraiment faire quelque chose. Parce que nous, on peut aussi aller là. Oh, il vient là. On vient là. moi bon, Je sais pas. C'est dur à dire. Mais en vrai, je sais pas. On a peut-être tricoté un peu, mais Je suis juste sauté, en fait, je me dis... J'ai plus l'impression de l'encercler que lui de l'encercler, en fait là euh... bah ici descend je vais là je vais aller là 10 9 8 7 ouais je vais aller là j'ai oublié de réfléchir assez rapidement en plus là je parlerai peut-être un petit peu moins parce qu'il euh, me reste plus qu'une fois 30 secondes on va aller là, même si c'est pas une très belle forme, euh, notamment pour retirer une liberté. Tout simplement. Il vient ici. Voilà. Ok. Et ensuite. Et ensuite, Là, je suis content d'avoir cette pierre. <laughs> qui aide quand même un peu au développement. Parce que là, soit il pouvait glisser, sinon s'il n'y avait pas cette pierre, il pouvait peut-être aller là. Qui Donnait miaille un peu de deux côtés, peut-être. Bon, elle est longue la partie, est, pour ceux qui sont jusqu'ici, je trouve qu'elle est intéressante. Je trouve qu'elle est intéressante. Euh, on va juste aller en hobby. Hein. C'est bien là, voilà. on va là. Ah, il peut d'abord jouer ça, peut-être. Hmm, tac, tac. Pour faire un coup. Ah, oh, le petit con. Pardon. Après, j'ai beaucoup de liberté dans l'ancien de mais. Quand même le faire. Allez, joue Moscou. Mm -hmm. On a combien de libertés 1, 2, 3, 4, 5, puisque là il peut. Pouf, pouf. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Oh, on a beaucoup de libertés. Lui, bon, c'est plus compliqué. Surtout qu'on a la capture ici en soi. Il connecte. Euh, je, je regardais déjà mes menaces et tout. Ah, cela dit, oui, hein. peut-être que c'est bon. Parce que moi, si je connecte, il peut aller. 10, 9. Il peut aller vivre d'une manière ou d'une 7, 6, 5, 4, 3, 2. Peut-être que je l'empêche de vivre hein, plutôt. S'il me coupe, on peut couper ici. S'il si m'attaque là, on vient là, il en taille. Et là on recule euh, solidement. Si on fait ça, il peut couper au SNT en fait, c'est ça le problème. On irait là. mais en même temps on l'a complètement bloqué. Donc il doit connecter. Euh, et maintenant c'est un CMI. Entre tout ça. 10, et tout ça. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On va jouer, sinon on perd pas le temps. Mais je pense, bah, peut-être que l'année était mieux, je sais pas. C'est dur à dire. On va venir là, hein. C'est quand même très gros. Et là, il peut pas protéger. C'est ça le problème. J'ai ici. Qu'est-ce qui se passe ici Si je coupe là, qui coupe Atari, il descend, je viens là, il pousse là, j'ai deux libertés. Combien là Il protège ici, hein, parce que sinon il perd le CMI. Et il a combien de libertés C'est ça le truc. Combien compte combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là tu perds le CMI. Tac, t'as 4 libertés. J'en ai 7. Je pense qu'il le perdait quand même, hein, mais... Là c'est douteux. 6, 9, 8, 7, 6. Bon, on va couper, hein. Pas de... pas de raison de pas le faire, en fait. Et là, ça me semble fini, en fait, j'ai tout ça, quoi. Même s'il va pouvoir fermer SNT, ce territoire ici. C'est pas bien embêtant. <laughs> Pardon. C'est pas bien embêtant. Ouais, on a bien plus de points que lui, il a tout ça, jusque-là. On a bon, quelques petits points ici, quelques petits points là, mais lui il a quoi Il a vers là, un petit peu ici, il a ça, un petit peu là. Pas suffisant. Hein. Euh, je peux d'abord aller là. Voilà. C'était juste un petit point. mais... 1, 2, 3, 4, 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Si je joue là, je vais là. Si je joue là, je fais là. 10, si je joue là, 9, je fais là. 8, 7. Je peux Tenuki. 6, je peux 5, Tenuki. 4, enfin, un peu gourmand, mais 3, je peux Tenuki. 2, 1. J'ai failli hyper partage, par le temps, le contre. Mais en vrai, un petit coup comme ça, c'est sympathique. Il y a presque envie de tourner maintenant, hein. même si c'est pas sainté. Et en même temps s'il tourne maintenant, je peux aller prendre le J18. Mais s'il ne tourne pas maintenant, bah je pouvais euh, aller là et c'est quand même gros. Donc je peux faire ça, qui est quand même très gros. Hein, parce que s'il descend, ça fait quand même quelques points. Euh, ou je peux faire ça. Ouais j'aime bien ça quand même. Ça a l'air pas mal. Mais il a B2 C est... ouais C. Il aura mis du temps à arriver, enfin, elle aura mis du temps à arriver cette séquence. Mmh, mmh, mmh. On est bien oh. L'ombre au tableau. Mmh, on répond. Qu'est-ce qu'il veut faire ici on Des points tout simplement peut-être. Peut oh, attention, il y a des doubles atari quand même, c'est bête. Oh, c'est moche ça. Euh, pour plus tard, il faudra faire attention, parce que si je fais double attaque ici, s'il si protège celle-là, on... bah déjà, on peut peut-être descendre encore. Euh, on capture ici, il peut pas protéger si on capture là. C'est un peu dommage. Ça. On protège ici, qu'est-ce qu'il y a ici hmm, De quelle manière c'est la plus propre de protéger De sortir ça encore. Tac, s'il vient là, on vient ici. S'il si vient, vient là, on vient là, on vient là. 10. Ça, ça a l'air ok. Bon, il y a vraiment ça qui est gros. Qui descend là. C'est vraiment gros. Surtout maintenant, avec ces séquences-là et tout, ça peut être dramatique rapidement. Bah, maintenant, il a laissé un gros coup quand même, hein, ici. Il a laissé un gros coup. Ouais. Alors. là. C'est énorme ce que je prends ici. Je suis content. Peut-être que je pouvais descendre. Ouais, non, ça lui laissait du B7. Ouais, si je descendais, ça lui laissait B7, je pense. Ok, est-ce qu'on peut avancer Est-ce qu'on peut avancer Il irait en K18, on coupe, il vient là, on vient là. Oui, on peut avancer tout à fait. Peut tout à fait avancer. Et maintenant, est-ce qu'on est obligé de répondre S'il vient là, on coupe. S'il vient là, on bloque. 2 contre 3. Tac tac. Donc, il aura ça, voilà, ou ça de santé, mais on peut jouer ailleurs. On peut jouer ailleurs. Donc, on va prendre d'autres gros coups, genre ça. Genre ça. 9 8 7 6 ouais. 5 4 Un point. Hein. Et après ça, nous... bah c'est pas incroyable les séquences qu'on peut faire ici, parce que il bon, a rien d'incroyable. Euh... Ah ça, hein, je pense. Je vois pas trop quoi d'autre. Ici, on pourrait faire Atari, aller peut-être par là, je sais pas, jouer des petits trucs. Autant protéger pas, ici. Et ça aussi. Là, il reste beaucoup de détails quoi. celle là, c'est on est rentré dans le petit Yossé quoi. Ok, bon, maintenant, hop. Faut rester vigilant sur ça, ne pas oublier, ne pas s'endormir. Euh, ici, on peut faire ça, et là, on va là, ça donne combien de points c'est 1, 2, 3. Alors que si on vient ici... J'ai l'impression que ça revient un peu au même. Voilà, ouais, finalement, c'est nous qui avons quasiment un quart de Goban ici. Orin. Comme ça, il faut l'imaginer double. Finalement, on a un corps de Goban, je dirais. Euh, ici, est-ce qu'on peut faire ça ce peut-être un peu risqué, parce que s'il vient là... Double Atari. Capture, c'est jusqu'au... On va juste reculer. Je n'ai pas envie de prendre de risque. Il avance, je suis atari. Finalement, j'aurais fait mon W aussi. Plus ah. que ça, même. Mais bon. Ah, c'est ça, je pense dans la famille. Dans la partie, il y a eu euh, beaucoup de problèmes de forme chez mon adversaire, en fait. Euh, ouais, on est obligé. Tu vois ça Bon, autant protéger ici. C'est très bien. Il vient par là. Est-ce que c'est grave Faire Atari. Mais en soit c'est pas plus saineté que ça. Euh, Qu'est-ce que je dois jouer Pas évident, parce que je dois pas toucher tout ce truc-là. Centre. 10. Je peux aller par là. C'est un point, ça menace de rentrer encore un peu plus. Ce qui peut être chiant. Et ouais j'ai codé un point à jouer un peu partout quoi. Euh, ici il peut capturer mais je peux recapturer donc je peux avancer ici. Et même j'avance même s'il capture je peux encore avancer parce que faut qu'il protège, je vais là ou alors il va ici mais je recapture. Donc je peux avancer. Ça changera la situation, non Tac. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça Je peux capturer, je recapture. Il y a rien. Il y a rien. Je vois pas. Je vois pas. Je vois pas. On va venir par ici. On, fait, on retire quand même quelques points. C'est intéressant, je trouve. C'est pas le plus beaucoup de l'année, mais pas embête. S'il avait pu bloquer là, il aurait eu tous ces points-là. Là, il a rien. Euh, on peut aller par ici. Et ensuite, on va revenir par là au cas où, ouais. Effectivement. Ou alors, on peut protéger ça. Il va là, non, il va là. Euh, je coupe, il va là, je dis ce que je vais capturer, il va là, je protège et il capture. Ok, donc non, on doit aller par là. Même ici, plutôt. Tac. Blanc, Non. blanc, Non. 10. Et on a joué. 9, là. 8. Ouais, donc il faut jouer ici. Protéger maintenant d'autres formes, c'est ça qui visait. Donc au mieux, maintenant, bah, il capture ces deux pierres. Parce que son truc ici ne marche plus. Il essayait vraiment de une forme un peu chiante j'ai oublié le, le terme euh... hmm. pour retirer rapidement des libertés comme ça j'ai oublié le terme c'est Médori Je sais plus je sais plus peut-être que c'est ça j'avais besoin de recapture direct si protéger j'avais là isatari euh... non j'avais pas besoin bon tant pis j'ai joué un peu vite. Il vient ici. Soit je protège là, il avance et je vais là. Soit je vais là. Et c'est mieux, en fait, tout simplement. Bon, je pourrais pas faire cette taille, mais... Tac. S'il vient là, je vais là. S'il vient là, je vais là. C'est mi aïe Hop. Ok. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, ouais, je vérifie toujours ça. S'il si vient là, et que je joue ailleurs, il peut aller là, je vais là, il peut aller là, et là je suis mort. Donc ouais, dès qu'il rajoute un coup, il faut que rajoute un coup ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on joue 10, 9, 8. Quelque 7, chose en tout cas. 6, 5, 4, 3, 2. Pff, je sais pas, je... c'est nul, mais euh, j'arrive pas à voir quel coup je veux jouer là tout de suite. Et je préfère ne pas perdre par le temps. Donc euh, c'est un peu au pif là, mais c'est pas bon. Euh, J'aurais pu faire des coups rien que A15. Protéger ici. Faire la là. Moi j'avais des meilleurs coups que ça. Ici, ça fait rien non plus de spécial. Quoique. 10, 9. Non, ça fait 8, rien de spécial. 7. 6 quoi faire ce genre de coup allez maintenant qu'on les a trouvés un peu plus de toute façon tout est à peu près égoté maintenant donc ça va pas être la fin de partie la plus passionnante ah oui d'accord non ça ça marche pas par contre ne pas se faire avoir mais ça ne marche pas c'est trop tard en fait c'est beaucoup trop tard euh, ok Tac, 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 tac. Et on vient là. Si on va là. 10, 9. Faut pas vivre ici. Non Il va prétendre faire un coup. Mais ça ne marche pas parce que je viens ici. S'il fait ça, je vais là. Donc il protège ici. Mais dans ce cas-là, euh, je vais là. S'il fait son œil, je vais là. S'il protège ici, ben, je vais là. Il descend et je vais là. Ok, c'est mort. De toute façon, normalement, c'est mort. Sinon, tout le monde pourrait venir après qu'on ait rajouté trois pierres. Ça serait un peu bizarre. Mais il vaut mieux lire un petit peu à chaque fois quand même, être vigilant. Ça serait bête. Il va passer à une période aussi. Vous avez gagné. Ouais, il abandonne. Ouais, ouais, ouais. Bon. Je lui dis merci pour la partie. Et on est repassé 2 Q. Chouette. Chouette, chouette, chouette. Bon, après, on venait de repasser 3. Donc l'objectif, c'est de repasser jusqu'à un dan. Hein, mais... Euh, on galère un peu sur certaines parties. Là, celle-là, c'est un peu plus fluide quand même. Ouais, on est devant de 66, ouais. Un peu plus fluide. Mais... Euh... Ouais, il y a eu des moments compliqués, c'est... Euh, ça nous dit qu'on est redescendu. Bah ben ouais, ici. On... Ici, là, on est en avance de 18 points, déjà. Et on fait notre petite séquence. Et euh, il est en avance de 4 points. <laughs> c'est con, quand même. <laughs> c'est con. Euh, sinon, dans la partie, il y aurait quoi à redire Ouais, ici, du coup, ce dont je vous parlais, c'est... Euh... Ben, évidemment, ici, quand il fait ça, il faut faire ça. Ah c'est... Quand tu commences cette séquence, c'est pour faire ce truc-là. Et quand je vous disais... Euh... C'est bête, parce que oui, il fait de son... dans sa direction et moi dans la mienne. Mais moi, c'est un ponuki. C'est super intéressant, c'est trop fort et tout. Et lui, il faut se dire, il n'y a rien de spécial. Parce que quand je fais ça, bon, il pourrait aller par là, mais il sacrifie ses deux pierres, c'est un peu con. Donc quand même, souvent, on va faire ça. Et euh... à tout le moment, j'aurai euh... des coups par là. Et après, je me casse. Mais du coup, voilà, il faut se dire, sur ce bord ouest, il n'y a pas grand chose, en fait, pour le moment. Donc c'est assez dur de développer. Et euh, même s'il avait une pierre par là en fait. En soi. Et pour noir c'est assez cool. Donc ici il aurait dû plutôt faire son hobby quoi. Et là je fais là ou, euh, ou ici. Mais c'est plus intéressant. Surtout ouais en punuki dans ma direction je suis trop content. Euh, et ici par contre attention effectivement quand je disais euh, bon l'ancien joseki du coup c'était ça. Mais c'est bon pour blanc selon l'IA. Et ici, je peux pas me dire bon voilà du coup on force pas avec ça et je vais tenu qui. Attention parce que ça déjà c'est très gros de descendre. C'est assez embêtant hein, parce que là blanc et noir va rajouter des coups et finalement on se retrouve avec la belle forme pour blanc en scente quasiment euh, en gothé, mais vraiment très fort et il a eu le G2. Et surtout euh, un coup de plus et on est mort avec le coup en B4. Ça, ça nous tue. Tac, tac, tac. Et le point 1, 2. Et ça, ça tue. Je vous laisse explorer les variations. On en a déjà parlé plusieurs fois. Je vais pas trop m'attarder non plus. Mais c'est mort. Donc attention. Bien sûr, il faut rajouter deux coups. Mais c'est pour ça qu'on fait G2. Et voilà, fin de l'histoire. Quand je vous disais ici, ça, c'est dommage pour blanc. C'est un peu. Ouais. C'est vraiment si, si j'avais approché comme ça, imagine. On fait une séquence comme ça. Et il vient ici. Viens là, il vient là. Là, si je rajoute un coup par là, il peut venir ici. Il attaque vraiment ma base de vie, c'est assez chiant. Mais en même temps, si je protège par là, bah maintenant, euh, il peut repincer et il est beaucoup plus solide dans cette zone en fait. Donc c'est un peu dommage de se le retirer. En fait, il y a tellement de séquences parce que euh, si Noir approche par là, bah, c'est encore plus difficile parce qu'il y a une gueule de tigre vraiment qui attaque la pierre noire. Donc c'est dommage de se le retirer en fait. Hop. Il vient ici et il le prend encore. Et là, je peux te On vient là, on saute, on saute, on couvre. Et ici, je pensais qu'il allait faire ceci. Et dans, ma tête, dans mon esprit, c'était euh, ouais. Bon, s'il y a des coupes comme ça, euh, c'est peut-être un peu compliqué quand même. Ici, il peut pas vraiment. Bah, si, il peut, ouais. Mais on peut... Ouais. À quel moment quoi Il faut d'abord qu'il recule une fois encore ici. Et nous on peut protéger comme ça. Et euh, en même temps il n'a pas envie qu'on descende d'une manière ou d'une autre. Donc peut-être qu'il revient comme ça. Mais en fait on, pff, je sais pas. Hein. Ça a l'air surconcentré. Là on peut jouer ailleurs. Et peut-être euh, rien qu'un coup à l'épaule comme ça de la pierre en quatrième ligne. On voit qu'il y a quand même une case, euh, une boîte importante pour noir et ici. C'est quand même cool. Bref, je sais pas si c'est une... Euh variation plausible mais dans l'idée ici il protège on fait nouvelle forme tac on prend ça et oui ici hein, il peut peut-être protéger d'une manière un peu plus solide comme ça comme ça je sais pas ça semble quand même assez moche ça il descend on vient par là ici on est trop gourmand hein, je pense que, du coup voilà tout c'est encore une fois si, je disais s'il fait ça on peut aller là il peut pas rester sinon taille s'il si, si, résiste, il y a ça donc ça c'est compliqué. Donc là euh, il vaut mieux aller par là. Et on continue. Et en fait quoi c'est. On sait pas trop. On voit pas trop le but. On aller par là maintenant mais. En fait maintenant ces pierres là sont safe. Un jour ou l'autre je pourrais faire pas mal de points par ici. On me demande même si j'ai pas un truc comme ça. Tout simplement. Je suis content en fait. Donc euh... et lui il est pas encore vivant. Donc peut-être que maintenant je peux aller par là. Je sais pas. Est-ce que ça vaut le coup Je sais pas mais aller par là peut-être non par là et peut-être qu'il va prendre ces pierres là mais je les fais payer en fait quoi. et on peut toujours envahir j'ai l'impression que la partie est rentrée dans mes mains ici bah, de toute façon ils disent hein, plus 18 pour me... pour noir donc c'est compliqué mais je fais mon erreur donc la partie redevient équilibrée voire un en avantage pour lui puisqu'il qu'il a le santé donc là il en avance de 5 points et ouais ici je lisais des trucs un peu bizarres je pense que ça passe pas pour moi, je lisais ça. Oups, je fais une tentative comme ça. Et je lisais quoi Tac, tac. Je lisais un truc... Ouais voilà, non, ça passait pas trop. Ça passait pas trop pour moi. Ouais. Ici, il y avait de la gourmandise. Il a joué un peu vite, dommage pour lui. Donc pour moi, qu'est-ce qui est plus avantageux C'est peut-être tout de suite de venir là c'est peut-être intéressant. Ça déchire complètement sa forme. Et en même temps, s'il laisse aller, ben, on peut descendre de là. Et euh, j'ai l'impression que c'est cool de développer ça. Et vraiment utiliser ces pierres à fond, ça peut être pas mal. Bref, ici, du coup, il y a des séquences un peu bizarres. Et je suis assez content, hein, vraiment. On se développe. Et ce coup, c'est une erreur. Peut-être. C'est dur à dire. Mais du coup, ça, ça a pas l'air de très bien marcher, tout ça, donc... Euh... Un coup comme ça Peut-être. Et s'il vient par là, on peut peut-être jouer euh... comme ça, en brutalement. Même s'il a des séquences comme ça, on vient par ici. Et même s'il a ça et qu'il essaie de sauter, en fait, il y a des coupes, donc il va pas faire ça. Il est obligé de revenir un jour protégé d'une manière ou d'une autre. Et nous, on peut venir prendre. Donc ouais, peut-être un... Peut-être un Kosumi tout simplement, c'est bien. C'est dur pour lui de venir direct dedans. Donc, ouais. Hop, le petit chat qui se plaint derrière. Ouais, ça a l'air bien comme ça. Ça a l'air bien comme ça. Hop, dans la partie, il y a cette séquence où c'est compliqué pour moi. En fait, je pensais. Enfin, il coupe tout de suite comme ça. C'est ça, en fait. Tac, 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 tac. Enfin, il vient là, on pousse. Il vient par ici. C'est une séquence qui était possible, j'imagine. Mais quand il fait ça, euh, donc là, tac. Bon, D'abord il y a cette séquence. Et quand il fait ça, bah effectivement, hein, oui, ça pouvait peut-être être attaqué. Euh, ce groupe, hein, c'est compliqué. Mais à ce moment-là, ce coup-là, il sert à protéger la séquence de, de, dont je viens de vous parler. En fait, maintenant, s'il le refait. Ah, il peut plus glisser en S16. Et est-ce qu'il vit ici Je crois pas. Je crois qu'il est mort. Euh... Ouais, ça a l'air quand même bien compliqué. On peut juste forcer, je pense. On peut juste forcer. Ça a l'air mort. Hein. Tac-tac. Ou. Euh... Tac-tac. Ok, c'est mort. Donc je pense que c'est intéressant ce genre de coup. Pour bien protéger, ça, ça ferme le coin en même temps en fait. On a vu quand il rentrait à la fin, ça n'a pas marché. Alors que, à ce moment là... À ce moment là, oui. Maintenant, euh... d'abord il fait ça. On vient ici, et là il fait ça, et là il y a coup. Là oui. Mais après quand il y a une troisième pierre, c'est plus compliqué. Hop Ici, je vous disais, je peux pas faire ça. Ah, hein. Si enfin, capture, c'est dramatique. On capture tout. Mais qu'est-ce qui se passe s'il connecte On vient là. On peut peut-être faire atterrir de ce côté Ouais. Donc on ne peut pas faire ça vraiment. capture ça on, on allait là quand même et ça revient au même j'ai l'impression tac tac il peut pas capturer mince pas hein. sinon on capture euh, il peut pas essayer de capturer euh, donc il fuit par là et nous on prend ce qui revient un peu au même que la partie en soi donc ouais ça allait pour nous ce genre de séquence Sokosumi, voilà qui connecte il sort mais on connecte Ici je disais, ouais, euh, on fait ça en fait, euh, plus tard, euh, quand on fait ça, on est obligé de connecter là, il peut couper. Alors qu'avec avec, euh, celui-ci, si plus tard on peut jouer par là, bah on peut connecter ici. Donc c'est quand même bien plus agréable. Tac, 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 il vient par là, on vient par ici, et là, il loupe euh, bah, le coup en fait. On capture, mais voilà, il faut le tenter je pense. C'est compliqué, non? C'est compliqué pour lui. Mais euh, pourquoi pas le tenter? Je pensais vraiment qu'il allait faire ça. Et ici, ouais, peut-être que je dois faire année. Parce que ça, ouais, les... c'est assez compliqué. Peut-être que je dois faire année. Même s'il coupe. En connect direct. Et ça menace d'aller prendre cette pierre, donc euh, il va protéger. Et. Ah, moi je peux aller directement là. S'il protège comme ça, bah, il a encore moins de liberté que tout à l'heure. Donc euh, c'est mort. Mais en même temps, s'il fait atterrir de l'autre côté, il en atterrit lui-même et on capture. Donc, ouais, ça semble. A... J'avais un peu peur de le faire. Là, j'étais déjà en dernière période, je crois. Et euh... Ou peut-être avant-dernière Peut-être avant-dernière. Mais t'as un peu peur de le faire. Tu te dis, ouais, Nobby, c'est mieux. Mais en fait, là, peut-être que c'est plus percutant de faire ça. Vraiment, ça, ça appuie sur ses formes. Ouais. Hop. Et ici, bon, il suffit de retirer les libertés. Hein. Une fois en mode gourmand, et là il reste une liberté d'avance donc je prends les gros Yossé. Et à partir de là, c'est vraiment fini. pas hein. enfin, même avant, hein. c'est à quel moment c'était ici où je suis à avance de 8 et c'est quand il joue pas le coup. Je passe à 40 d'avance, 40 d'avance. Et en fait, après avec le Yossé, je passe à... je gagne encore 15 points. Ouais, très bon Yossé de ma... pour moi, notamment avec cette erreur là. Le forcer là, j'ai là, ici il a tous ses points, il les a pas finalement. Ouais, dramatique, et j'ai eu ce gros point et ce gros point. Donc c'est sûr pour lui. Mais celui-là, plus celui-là, et celui-là. Ouais. Et j'ai eu ça aussi. Ça fait mal quand même. Ça fait beaucoup de gros points et lui on se demande quel gros point il a eu au IOC en fait. C'est un peu dommage. Voilà. Euh, J'espère que la partie vous a plu. Si vous êtes encore là euh, certain, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu comme je disais et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à... à demain en stream parce que là on sera mercredi euh, ou à vendredi pour la prochaine vidéo. Salut